fait attaquer par Baba Yaga 2. Nouveau feu de camp. Yes. Par contre, il va falloir faire attention à pas trop faire de flèches en même temps. Pour garder à chaque fois 3 planches minimum. Sinon, on est dans la merde pour sauvegarder. Donc là, par exemple, on n'a plus trop de planches. Je préfère les garder. Je voudrais du bois, madame. Il y a quelqu'un ? Comme si on allait te répondre. Champignons ? C'est pourquoi ces champignons ? Je me rappelle plus déjà. Ah, j'ai oublié ce que c'était, ces champignons. Pas grave. Ah, araignée. Un mur est cassé. Un mur à monter. Je crois qu'on a trouvé un temple. Quelle vue fantastique. Ça, c'est le côté cool de le jeu, par contre. On rappelle. Ça, j'aime bien qu'ils aient rajouté ça. Putain, m'a fait peur ce coup. Mur destructible, ok. J'ai l'impression que c'est par là qu'on sort. Ah, merci. Oh! C'est bien par là qu'on sort. Là, il y a quoi? C'est par là qu'on doit sortir. Ah. Ouais, mais attends. Merci. Non, mais arrête de t'accrocher comme ça. On continue, on continue. J'attends le piège à la con où je vais marcher quelque part et... Mais je vais me faire empaler. L'arbre. Le piolet grappin. L'araignée. Attends, là ou là-bas? Peut-être un feu de camp. Poudre noire. Yes.
Maudit soit cet endroit. Maudite soit cette jungle. Elle vous attire avec un joyau, mais dès que vous en approchez, elle vous pousse à la chute. Nous avons bien failli réussir à franchir ce trou sans fond. Une sorte d'hôtel nous appelle de l'autre côté, sous un immense visage de pierre qui semble rire de nos efforts. Quelque chose a attaqué le camp. Certains hommes prétendent avoir vu des panthères, mais d'autres parlent d'une créature plus terrifiante. La moitié de l'équipe insiste pour abandonner l'expédition. J'ai dû sermonner un homme, à titre d'exemple pour les autres. Je n'ai besoin que d'un jour de plus. Un pauvre petit jour. On va mourir, on va tout recommencer. Quelque chose a bougé au-dessus. Non, on n'est pas seul, Lara. On le sait. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un a une idée? Accrocher à quelque part la corde. Est-ce qu'on peut la tourner plus ou pas? Non. Ah ah! On y arrive petit à petit. Ils ont dû abandonner cet endroit pendant la construction. Comment tu sais ça? Le truc c'est que là il faut vraiment regarder avec nos propres yeux. Mon Dieu. Faut accrocher. Accrocher la caisse avant de monter dessus, je crois.
tenir. Ok, maintenant on fait ça et après on saute dessus. Je pense. C'est vraiment une idée à la con. Oh mon dieu. Quelle idée de fou. Oh, yo, Ilara, tu me gaves. On va attendre. Voilà, on attend. Voilà. C'est maintenant qu'on se fait attaquer ? Non. Toujours pas. On a que 5 flèches. Faut qu'elle compte. On a que 5 flèches, mais il y a des cadavres avec plein de flèches autour de nous. Mais bon. Après, on a des balles, donc ça va. Où est-ce que tu veux que je m'accroche? Là, en face? Oh putain. T'es sérieuse? Oh. Mais. Oh là! Je vais crever d'une crise cardiaque. Vite! C'est pas vrai! Excusez-moi, vous pouvez arrêter? C'est très désagréable. Avant c'était des coffres, maintenant je crois que c'est ça en fait. Et là on devrait avoir le... Cherchons la sortie. Ouais. Avant c'était des coffres, maintenant c'est ça. Perchoir de legs, améliore vos compétences d'escalade en vous permettant de traverser l'environnement plus rapidement. Quoi ? Porte des enfers. Non mais attends, je veux quand même une explication sur qui me balançait des choses. C'est bien beau tout ça, mais... On y est. Grappin. Oh la vache là. Découvert de boue. Ah, on est de retour ici. Ok. Bon, bah voilà, on a fini. Premier, première tombe. Ah bah, ah bah, sympa. C'est sympathique.
Là, on a tout, on a tout. On a un coffre ici. On pourrait aller prendre le coffre. Tant qu'on y est, pourquoi pas se balader un peu? Ah, c'est lag. La caméra, elle aurait dû être juste un tout petit peu plus reculée, en fait. On a un coffre là-bas. Mais comment on y va? C'est une question, ça. Je vais pas essayer longtemps, hein. on va pas faire genre toutes les zones à 100%, on va avancer à une certaine vitesse. Et puis après quand on sera près de la fin ou alors enfin voilà, quand on sera près de la fin ou à la fin, on retournera dans les dans les anciennes zones. Oh waouh, ok. Bien joué, Lara. Celui-là, non, tu peux pas, ok. J'avais écrit quoi? Je vois pas trop comment. Pardon. Là, on a plein de fresques, je sais même pas comment. Je sais même pas comment on y retourne là-bas. Tombeau fait que c'est la. Ah, deuxième tombeau. C'est vrai qu'on avait un tombeau où il fallait un couteau. Mais c'était quoi? Couteau renforcé, je crois. On l'a pas. On a couteau normal. Ok, deuxième tombeau. Cusco appartient à Hernando Pizarro. Non. Pas ramener une meilleure lampe torche. Attention, attention. Attention, ça pique. Je me demande bien où ça mène. Ah, piège.
Sur la ville de Jack. Ce matin, nous avons pénétré un territoire vierge, laissant derrière nous les eaux blanchies au soleil du campement du cheval mort. Le sort semble tourner pour Raleigh, presque littéralement. Sa jambe blessée le ralentit, et c'est à présent lui qui est à la traîne. Quand Père s'en aperçoit, il ralentit et se retourne vers nous avec un sourire d'encouragement. Il paraît calme, mais son pas impatient le trahit lorsqu'il nous prend de vitesse à chaque tournant, chaque crête et chaque cours d'eau. Elle a joué avec son vaccin antitétanique. J'espère. Enfin, pas que ça, même. Ah! Du Quechua! Toi bien. Je me rappelle de ces pièges. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'on est? Nouvel équipement équipe botte Devenix Star Ancestral. Ça me donne un avantage en jeu qu'on est porté. Change le team, ok. On a trouvé une nouvelle tenue apparemment, des nouvelles bottes. Tenez aussi. Il faut que je trouve un moyen de monter. Ça va, tu... T'es en train de me montrer la sortie. Là. Le truc commence à prendre, je m'intéresse à ce qui se passe dans le stream. Il était temps. On dirait que ça décrit une pièce cachée près d'ici. Une pièce cachée. Bah on l'a faite la pièce cachée, on est d'accord. La pièce cachée c'était la pièce d'équipement. Rien de plus. À chaque fois, j'ai l'impression que le jeu il va crasher. Ok. Coffre. Il y a tout droit. Dans un arbre. Voilà, là. C'est ça? C'est
pas ça. Il y a une flèche en dessous, donc je pense qu'il est en dessous, en fait, ça. Il y a une paroi sur la droite. Je crois. Non, je sais pas du tout. On va rentrer parce que ça me fout un peu les boules. J'ai pas envie de tomber. J'ai vraiment pas envie de tomber. Oula, 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 oula. La fusée éclairante, elle est toujours allumée. Je vais trouver ça. Ouais, sous l'eau, j'y ai pensé, mais je crois pas qu'elle puisse plonger. Document à aller récupérer. Non, c'est pas la même zone ou c'est qu'il y a l'avion qui a coulé? Enfin, je crois pas. Bon, c'est pas grave, on y retournera s'il faut. Oh mon dieu, ça me tue ce lag. Prêt pour faire les... Hop. Deux. Ah, très bien. Flèche empoisonnée avant. T'as la grenouille. L'enthousiasme communicatif de père est au plus haut, mais je suis assaillie de doutes. Au milieu de la nuit, je l'ai surpris à fixer les étoiles, le regard d'un blanc lunaire. S'il ne m'avait pas si souvent raconté toutes ces histoires sur l'Amazonie, je pourrais croire qu'il y avait de la tristesse dans ses yeux, peut-être même du regret. Ce doit être ces insectes qui nous montent à la tête qui le mettent dans cet état. Attention, Goldo! En sorte qu'il ne puisse plus parler dans le chat. Ouais, il faut des... c'est quoi, les RTX? On a une nouvelle crypte. Ça, c'est à moi. Comment on y va? Non. Là. Ah! Oh mon dieu, mais ça me tue ce lag! Une femme polygonienne. Mais oui, c'est ça, c'est l'ancienne Lara Croft, elle était comme ça. Je l'ai aussi, on a trois versions, je crois.